Ok, pété, let's go. Bien joué, pété. Le plout. Ok, ok, nous sommes partis, mesdames et messieurs. Nous sommes partis pour ce match. Ah non, c'est pas Battlefield, c'est Small Battlefield, ce qui n'a rien à voir, contrairement à ma plus petite. Pas de troisième plateforme, de top plateforme plus précisément. Ok, bon, on est parti du coup. Bon, Pyramitra, voilà. Bon, maintenant, moi je suis un hater de ce personnage, donc c'est à dire que je vais dire que le perso est débile et qu'il faut pas grand chose pour pouvoir gagner. Et je pense que j'ai raison. Mais bref, ça n'engage que moi. Pour le moment, léger avantage à notre cher joueur de Pyramitra. Non, même pas, notre joueur de PT, tout simplement. Hop. Voilà, ça se cherche un petit peu, ça cherche des phases. Voilà, on commence des petites phases de petites, etc. PT, chien, oui, 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 oui. Ah voilà, voilà, les petits combos de Mitra, on les voit, on les connaît. Mais bon, grâce au switch, on a pu save, on a pu switch sur Dracofeu. Est-ce que ce sera vraiment la meilleure option contre un perso qui peut te combo de ouf? Je ne sais pas, mais on va voir ce que ça donne. Pourcentage encore une fois très équivalent. Ouh, et le backer qui touche pas en sweet spot. Et qui on verra très très loin, on n'est pas loin de la mort. Malheureusement c'est cet air dodge qui est puni directement d'un gros up smash. Bon, 115% du côté de Rimuru. Là, faire attention parce qu'un petit smash, un back air qui touche pas sweet spot, ça va faire mal. C'est bon, on a décidé de switch sur auto-kill et qui est Pyra. À voir ce que ça donne. Elle a une Rico exploitable, très exploitable même. Et voilà, elle s'est fait gimp le saut et de ce fait elle n'a pas pu revenir. Ok, ça cherche le kill, voilà, ça cherche le down tilt, ça envoie très très loin. Ouh, et la super armure du bout de feu qui permettra de survivre. On est quand même à 157%, faire attention. Voilà, on peut dire avec ce up smash, ce neutral beat un peu trop piffé. Le up tilt, oh là là, ça ne tue pas. Pas la meilleure punition, je pense, pour punir ce neutral beat totalement waste. Encore une fois, un F tilt, et ça ne tue pas. 184% du côté de Link. Bon, le troisième, au bout d'un moment, voilà, on commence à partir dans la blast zone directement. On est reparti sur le petit carapuce. Est-ce qu'on connaît bien ces phases? Est-ce qu'on a fait ses devoirs sur le carapuce? Telle est la question, mesdames et messieurs. Le grab, on peut pas. Le petit nerf. Ah, l'eau un peu waste. Hacker. On a manqué cette occasion de grab. Smash. Essayez de switch sur Herbizarre, attention. Un très bon perso. Ouh, on a tenté le down throw up B qui fait très très mal s'il touche, mais malheureusement il n'a pas touché. Hop, attention, on se fait un peu edge guard, on a plus de saut, mais on arrivera à revenir. Ok, 110% du côté de Rimuru. Ah là, ça cherche, hein. Ça spam ses options. Up air, up tilt, up B. Mais malheureusement, ça n'a pas touché. 119%, 90% pour péter. Et c'est le up smash directement qui est trouvé avec Dracofeu, qui permettra à Link de prendre le lead sur cette game. Une bonne stock d'avance, 106%. Et on a tenté des petites choses, on a tenté des petits bails épicés. On arrivera à s'extirper de ce down smash. Okay. Trop... Ouh, on a tenté la petite douille avec le bout de feu. Chez... Attention. Ah, ça se cherche, hein. À coup de back air et de down air, on s'amuse. Le bout de feu qui est encore une fois claqué. Encore ! Putain, mais il aime trop ça en fait. S'il ne finit pas la game sur un. Bout de feu. S'il ne finit pas la game sur un bout de feu, c'est une fraude. Tu l'as. Backer ! Oh, tu voulais pas finir sur un bout de feu là, con ! Ok. Bah, 1-0 du coup. 1-0 pour le moment pour Link. Bien joué. Alors. Alors voyons voir, sur quoi vont les joueurs vont-ils partir, la question. Ok, on reste sur petit champ de bataille. Donc écoute, nickel. Pas de changement de pic, c'est parti. Voilà le mouvement là sur ma gauche des joueurs qui passent et repassent. Enfin bref. Nous sommes partis pour cette deuxième game du coup qui nous voit s'opposer à Link contre Rimuru. 1-0 pour le moment pour Link.
Oh, et voilà, c'est une petite phase avec Carapuce qui permettra de trouver 46%. On n'arrivera pas à concrétiser, mais c'est déjà beaucoup qui ont été faits. Oh, et la tension a failli s'inverser en une fraction de seconde. Attention, oula, c'est ce Smash qui est shield directement. Un peu, on se fait souvent punir hein, quand on tente ce side B hein, du côté de Herbizarre. Alors, pour le moment, alors, on a vu un magnifique enchaînement de upper, 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 up tilt, upper. C'était, ma foi, fort déplaisant. Attention, est-ce que ça va mener à quelque chose? Non, on n'arrivera pas à tenter de... On n'arrivera tout simplement même pas à tenter le spike. Alors, attention, la punition. Là, dash attack seulement. Encore une fois, on n'arrive pas à punir avec un donner. Le B est, ma foi, très rapide. Mais on punira ce jump un peu trop impétueux. Et qui passera un peu trop haut. Oula. On est... Attention, on est passé sur Pyra là, les gars. Ça va faire très très mal. C'est l'attaque get up qui permettra de remonter sans trop d'accro. Le bout de feu qui est utilisé pour esquiver tout simplement. Bonne utilisation du bout de feu. Hein. Un peu trop spammé, moins dans cette game que dans la première, mais bonne utilisation quand même. Ah voilà, la punish. Voilà, on punit ce side B qui est un peu trop utilisé. Ouh, dommage, dommage, ça a failli être majestueux. 162% du côté de Link. Je ne sais pas pourquoi on a re-switch sur Mitra. Oui bon, tu forces. Ok, ok. Il y a beaucoup de monde. Je préviens Mika d'un truc, j'arrive. Ok, re. Et pendant que je racontais ma vie à Mika, c'est une stock qui est partie directement du côté de Rimuru. Maintenant, c'est Link qui possède un lead assez confortable de une stock. Mais bon, faire quand même attention parce qu'on a quand même 90%. On est passé sur Dracaufeu. On a vu que Dracaufeu a vraiment été un pic maîtresse dans ce match. On arrivera à remonter. Et pas de switch sur Pyra. C'est-à-dire que... Ah, c'est bon. Il me fait mentir. On a décidé de jouer le perso qui tue. Mais Link est très très patient, hein, qui joue le zoning, qui cherche des petites ouvertures, voilà, de back air. On va chercher le... On va tenter un spike, même pas. Et la tech ne peut pas trouver, enfin... Ce move était... Bon, je... Voilà, je n'ai pas de mots, en fait. Bon, 85% du côté de Rimuru. Attention, parce que là, on est pas à l'abri de... Voilà, de se faire... Bah voilà. De se faire exploser la gueule à coup de Hubby. Ma foi, c'est assez plaisant. Et du coup, c'est un 2-0 pour notre cher... c'est un 2-0 pour notre cher Link. Bien joué à lui. Alors...